Bonjour! Alors, pour aujourd'hui, j'avais envie de vous parler réseaux sociaux, hein, parce que c'est quand même la grande tendance, et vous parler d'une question qu'on me pose très très souvent, c'est comment réussir sur les réseaux sociaux, hein, comme si on avait finalement une recette magique. Et écoutez, je vais vous dire, hein, d'après mon expérience, d'après les cas que j'ai vus, hein, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, très souvent, c'est un problème de stratégie. Je sais, je sais, je sais, je n'arrête pas cette histoire de stratégie. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces. En revanche, croyez-moi, c'est très important. Pour faire simple, hein, oubliez le mot stratégie, je vais vous parler de trois éléments très très importants. Et vous allez voir que finalement, c'est bien ce qui vous manquait. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que cela. Première chose, j'aimerais qu'on parle de vos objectifs. Pourquoi avoir utilisé les réseaux sociaux? Pourquoi souhaitez-vous utiliser les réseaux sociaux? Est-ce pour parler de votre notoriété? Pour avoir un espace d'échange avec vos clients? Est-ce pour traiter les réclamations? Faire de la promotion? Posez-vous la bonne question. Vos objectifs, mais par rapport aux réseaux sociaux. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément très important qui sera la cible. Qui sont ces gens qui vous intéressent? Hein, votre cible, mais surtout votre cible d'un point de vue comportement sur les réseaux sociaux. Est-elle sur Facebook? Est-elle sur LinkedIn? Est-elle sur Snapchat? Vous imaginez? Vous êtes en train de discuter, de communiquer sur Facebook. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas là. Certes, en Tunisie, 90% des gens sont sur Facebook. Mais si vous vous attaquez à une autre cible, eh ben, vous risquez de parler que seul comme un grand. Donc, réfléchissez à votre cible et vous verrez que mine de rien, ça va réellement s'éclaircir. Regardez leur emploi du temps, quand est-ce qu'ils sont connectés, est-ce qu'ils ont envie de vous parler, ont-ils envie de vous rencontrer? Très important. Et dernier élément, et non des moindres, c'est évidemment votre message. Votre message découlera de ces deux premiers éléments. Ça veut dire, ne vous éloignez pas de vos objectifs, s'il vous plaît. Si vous êtes dans un objectif de notoriété, eh ben, soyez visible. Si vous êtes dans un objectif de branding, ne vous éloignez jamais de vos valeurs, de votre marque. Pareil, si votre cible attend certaines choses de votre part, eh ben, donnez-lui ce qu'elle souhaite. Et vous verrez que, mine de rien, vous allez utiliser les réseaux sociaux comme il se doit pour vous, pour répondre à vos objectifs et vous serez plus efficace. À bientôt.